suis Jean-Philippe Osanga, directeur d'un groupement immobilier chez FEM Composite. Alors, je fais une présentation générale. FEM Composite, nous sommes une entreprise créée depuis 2015. Depuis 2015, par le CEO, M. Merlin Tamboula, je suis associé et chargé de la partie de développement immobilier. Nous sommes basés en Bourg et nous avons trois pôles d'activité. Le premier pôle d'activité est celui de la conception métallique, mécanique et métallique. Alors, j'explique. Nous concevons des machines permettant de créer des alliages nécessaires à l'industrie aéronautique, l'industrie automobile ou l'industrie de mécanique de précision. Le deuxième point est le point de l'expertise aéronautique par la conception et la production de matériel mobile pour des outils de diagnostic ou des appareils nécessaires, soit à l'aéronautique, soit des appareils nautiques qui sont dans une ville balnéaire. Et également, comme troisième point, nous concevons également des modules de formation permettant de former, on a parlé de la formation jeune, former des jeunes au métier justement du diagnostic, de la mécanique de précision et de tous les métiers entourant justement la haute mécanique. Alors, la deuxième partie dont je m'occupe, c'est la partie du plan immobilier. Je suis Jean-Philippe Osanga, je suis architecte. Et notre objectif au Cameroun, à Kribi, et à Kribi de manière particulière, c'est de promouvoir la ville de demain avec les outils d'aujourd'hui. On a une tendance à penser souvent que les villes africaines se développeront sous le standard ou bien sous le croquis des villes européennes. C'est une grave erreur. La ville africaine peut se développer et avoir des standards même plus élevés que celles des villes européennes. Mais il faut que nous comprenions que tout est un processus. Et c'est cette vision-là que chez FEM Composite nous avons. C'est la vision d'un processus de créer à partir de zéro.